le mal de mélanger des produits végétaux avec des produits pharmaceutiques. Des millions de personnes sont peut-être en train de risquer leur santé en prenant des remèdes à base de plantes avec des médicaments sur ordonnance. Les médicaments pharmaceutiques peuvent interagir avec les remèdes à base de plantes, conduisant à une réduction de l'efficacité thérapeutique des médicaments, et pire encore à des effets secondaires extrêmement dangereux. L'étude de l'université de Stellenbosch. Une étude récente, réalisée par des chercheurs de l'université de Stellenbosch, en Afrique du Sud et publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology, affirme qu'un mélange entre produits à base de plantes et médicaments peut causer de graves effets secondaires. Dans un examen approfondi de la littérature médicale, 49 rapports publiés, l'équipe a découvert des dizaines de cas où des traitements alternatifs semblaient avoir modifié les effets des médicaments sur ordonnance, soit en les diluant, en les rendant plus puissants ou en provoquant des effets secondaires potentiellement dangereux. Parmi les interactions citées dans l'étude, la plupart concernaient des patients diagnostiqués avec une maladie cardiovasculaire, 31, ou un cancer, 22, ou une transplantation rénale, 16, mais des cas d'épilepsie, de dépression, de troubles anxieux et de schizophrénie ont également été identifiés. Charles Wortwey, auteur principal de l'étude, a déclaré que les dangers que représente le mélange de plantes naturelles avec des médicaments, était largement sous-estimé parce que les gens ne se rendaient souvent pas compte que les remèdes à base de plantes sont très puissants. Elsa Ernst, professeure émérite de médecine complémentaire à l'université d'Exeter, a lui aussi témoigné dans le même sens, déclarant que ces résultats montrent combien les ingrédients naturels ont des effets biologiques potentiellement puissants.